Alors on est à New York et on est sur les pas d'une jeune sommelière, Emma, 32 ans, jeune femme intelligente, brillante, mais qui n'a jamais eu de chance avec les hommes. Et un soir, sur Internet, elle rencontre un jeune prof de philo d'Harvard, Matthew Shapiro, et se débute une relation épistolaire par mail entre eux qui va durer toute la nuit. Il y a un coup de foudre, quelque chose se passe entre eux et ils décident de se revoir le lendemain à New York dans un petit restaurant de Greenwich Village. Et donc ils arrivent tous les deux à la porte du restaurant, le même jour, le même soir, à la même heure, ils sont conduits à la même table. Pourtant, ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas parce qu'elle vit en 2010 et lui vit en 2011. Donc, ils ne sont pas sur la même ligne de temps. Et à partir de là, Emma va commencer à enquêter. Elle enquête sur cet homme et sur le couple que cet homme forme avec sa femme. Et c'est le véritable sujet du roman. Et là, le roman qui a commencé un petit peu comme sur les codes d'une comédie romantique surnaturelle, va basculer vers autre chose, va basculer vers un thriller psychologique. Et le véritable thème du roman, c'est les apparences au sein du couple. Et c'est la question, dans quelle mesure est-ce qu'on connaît vraiment la personne qui partage notre vie. Demain, vous savez, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Je voulais un titre qui soit bref, qui soit sobre. Et demain, c'est le futur. On a souvent l'impression finalement que demain les choses iront mieux. Demain, c'est aussi c'est l'aventure, c'est l'inconnu. Ce roman, moi, je l'ai écrit un petit peu en hommage à deux de mes maîtres qui sont d'un côté Stephen King, qui a cette capacité à faire surgir le surnaturel dans un univers très quotidien, et de l'autre, Alfred Hitchcock. Hitchcock disait tout le temps, mon héros est un homme ordinaire pris dans une histoire extraordinaire. Et là on a une jeune femme, Emma, qui n'est pas du tout une flic, mais qui va se retrouver devoir enquêter finalement, et en étant pris dans une histoire qui la dépasse complètement. Moi, en tant que citoyen, personnellement, cette évolution et cette technologie qui cannibalise notre quotidien, tout ça, ça me fait très peur. Ça nous rend complètement addicts. J'essaye de ne pas tomber du tout dans ça et je suis assez méfiant par rapport à ça. Mais en tant qu'auteur, c'est vrai que ça offre un nouveau réservoir d'idées, de scénarii, de possibilités. Et c'est vrai que mes derniers romans utilisent quand même ce nouveau mode à la fois de narration et cette technologie qui est présente dans nos vies et qui finalement offre de nouvelles histoires à raconter, même si c'est surtout pour l'amorce, c'est surtout pour... Mais ça donne aussi un autre rythme au livre, c'est-à-dire que si vous écrivez un roman policier ou un thriller aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire comme si les techniques de police scientifique n'existaient pas, vous ne pouvez plus faire comme si on n'utilisait pas de portable. Donc voilà, c'est le réel qui finalement fait irruption quand même de façon assez forte dans la fiction et on change un petit peu les modes de narration. Cette année, je fête mes 10 ans d'écriture. Donc, mon premier roman, Et après, était paru finalement il y a 10 ans, en 2003. Et je vois que c'est un roman que les gens continuent à lire. Et finalement, les émotions restent là, les personnages, la densité de l'intrigue reste présent. Et donc finalement, ça me conforte vraiment dans cette idée que finalement les évolutions technologiques, tout ça finalement, c'est qu'une surface et que finalement ce que les lecteurs
aime à travers les histoires, bah, ce sont d'abord le suspense, le sentiment, l'humanité des personnages. Et la chose qui revient quand même le plus, c'est l'empathie que les lecteurs peuvent avoir pour les personnages. Et ce que les lecteurs me disent le plus, c'est finalement, on aime bien vos personnages parce que vos personnages ne sont pas des super-héros, vos personnages, c'est des gens comme vous et moi. Et on retombe justement dans le héros hitchcockien, l'homme ou la femme ordinaire, aspiré par une histoire qui le dépasse.